Bonjour la team HTM et comment allez-vous? En tout cas pour ma part, eh bien ça va nickel. Dans cette vidéo les amis, on va parler du Doomguy. Et plus précisément de Doom Eternal. Mais cette fois-ci du côté de son second DLC nommé The Ancient Gods Part 2. Et dont ce nouveau DLC promet beaucoup. On a pu avoir une date de sortie et des informations supplémentaires. Et je peux vous le dire, oui, ça fait plaisir. Alors, sans plus attendre, c'est parti, on commence. Alors déjà, vous devriez le savoir, Doom Eternal est pour moi un jeu excellentissime. Et entre nous, vous avez pas intérêt de contester. Non, parce que c'est avec un coup de pied au cul que je vais vous accueillir. Bien sûr, c'est une blague, ne vous désabonnez pas. Et la question que vous allez me poser, eh bien, c'est pourquoi je le mets à un si haut stade. Eh bien, tout simplement par le fait que, en termes de gameplay, eh bien, on peut pas faire mieux. C'est le fast FPS ultime. Les graphismes sont tout bonnement magnifiques, et gros coup de cœur par rapport à sa direction artistique. L'IA est très très bonne. En termes sonores, on peut pas faire mieux. Et l'histoire est plaisante, alors que c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Non, car je vous rappelle qu'il s'appelle quand même Doom. Eh bien déjà, le premier DLC a su nous montrer les compétences des développeurs. Car là aussi, excellentissime. Parce que ça nous offrait de nouveaux environnements et des nouveaux ennemis. Donc, autrement dit, de la nouveauté. Et c'est exactement ce qu'on lui demande par rapport à sa partie 2. Et là, tout d'abord, vous allez me poser une question. Ok, mais c'est quand sa date de sortie? Il sort le 18 mars 2021. Et non, non, c'est pas moi qui suis en retard. C'est juste que les développeurs ont décidé de révéler la date de sortie un jour avant. Et là, par contre, c'est un coup réussi. Non, parce que là, je suis complètement hypé. Et là, la seconde question que vous allez me poser, y aura-t-il beaucoup de nouveautés? Eh bien, ce contenu est déjà inédit. Il proposera aux joueurs de découvrir de nouveaux environnements. De nouvelles incarnations mortelles de démons bien connus. Tels que le baron blindé, le diablotin de pierre, le rôdeur maudit venimeux et le nouveau zombie hurleur qui renforce les démons à proximité à sa mort. Autrement dit, un ennemi qui va bien te faire chier. Et dont t'as intérêt de le tuer en dernier. Et là, je sais ce que vous allez dire. Ok, c'est grave bien en fait. Alors oui, vous avez complètement raison. Mais ce n'est pas terminé, car il reste une nouveauté. Car le Doomslayer aura une nouvelle arme. Et une nouvelle arme assez sanglante qu'on peut voir durant le trailer. Et dont j'ai vraiment envie de l'utiliser. Ouais, vous avez compris, j'aime le sang. Oula, est-ce que j'aurais dû dire ça? Appelez pas la police. Et du côté des plateformes, sur quelle plateforme sera-t-il disponible? Il sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia. Donc toutes les plateformes à part la Nintendo Switch. Mais est-ce que véritablement tu vas jouer à un Doom sur Switch? Plutôt se crever les yeux en fait. Ok, tout m'intéresse, mais combien coûte-t-il? Ok, ouais, mais combien coûte-t-il? Il sera vendu à 19,99€. Ou 20€ pour ceux qui se font pas chier. Mais attention, il faudra bien avoir Doom Eternal. Si vous n'avez pas Doom Eternal, vous ne pouvez pas jouer à The Ancient Gods 2. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous dire par rapport à Doom Eternal The Ancient Gods Partie 2. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. À me dire si ce second DLC vous fait envie. Et à me donner pourquoi pas votre avis sur Doom Eternal. Et bien sûr les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. You bring violence and war to thwart the Dark Realm. Stand and fight, Slayer. This is the Torch of Kings. All will see this light. I know what your mission is here. Take the Hellbreaker. May it serve you well.